La Matmut vous présente la quotidienne. Bonsoir à toutes et à tous, euh, on est en direct sur la quotidienne, dans la quotidienne, avec la quotidienne comme vous voulez, en tout cas c'est sur LCn. Vous savez une quotidienne, chaque soir quand on prend l'antenne, il faut trouver le petit truc à dire une petite originalité, il faut pas que ça ressemble à la veille, il faut que ça soit différent du lendemain. Ce soir j'ai un petit creux, un petit trou. Alors j'ai trouvé une idée, j'ai demandé à Félix de lancer la quotidienne. Bonsoir ah, Sylvain, bonsoir. Ben, euh, lançons la quotidienne. Alors aujourd'hui, une quotidienne un peu spéciale, puisqu'il n'y aura aucun invité. Euh, Sylvain, <laughs> bon, on va ah, se raconter bonsoir. notre vie, on va refaire le monde ensemble. Ça vous va comme ouais. sommaire? C'est pas tout à fait ce qu'on souhaite, c'est surtout pas ce que souhaitent nos téléspectateurs, Félix, mais non, je suis sûr que vous êtes un taquin. Qu'il se rassure. Donc euh, en deuxième partie d'émission, on recevra Maya euh, pour la chronique bien-être, qui va nous parler de la sophrologie. On va recevoir un artiste très original, euh, qui est un artiste couleur qui s'appelle Philippe Lemaire, et qui va nous présenter son exposition qu'on peut découvrir en ce moment à la librairie Police, une exposition qui s'appelle « Couleur de rêve ». Mais avant ça, un peu de politique. Sylvain, on va parler... C'est l'époque. On va parler des municipales 2014. Euh, Edouard Philippe nous a fait le plaisir de passer dans nos locaux jeudi 6 février. Alors pour rappel, il a succédé en 2010 à Antoine ruffnac qui avait euh, quitté ses fonctions avant la fin de son mandat. Euh, oui. Vous n'avez toujours pas dit le Havre. Le maire du Havre. J'y venais. J'y venais. L'actuel maire du Havre. Et donc pour la première fois, il elle elle mènera campagne en tant que tête de liste aux municipales 2014. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Edouard Philippe, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview dans le cadre de la campagne municipale 2014. Pour rappel, vous êtes député et président de la communauté d'agglomération havraise. Vous êtes maire sortant du Havre et candidat à votre propre succession. Alors avant d'évoquer votre bilan et vos projets pour les Havrais, j'aimerais revenir sur votre parcours qui vous a amené à vous engager en politique. Est-ce que cet engagement a commencé sur les bancs de Sciences Po euh, bah oui et non. Moi, euh, bah, j'ai toujours aimé la politique, j'ai toujours aimé l'histoire, et donc j'ai toujours été intéressé par euh, la politique. La politique, c'est un peu l'histoire au présent, quoi. Donc, euh, donc ça m'a toujours intéressé. Quand j'étais à Sciences Po, euh, j'étais plutôt à gauche. J ai, j ai été, euh, oui, j'étais plutôt à gauche. Je venais d'un milieu qui était plutôt à gauche et, et j'étais assez sensible et assez proche de la personnalité d'un Michel Rocard. Je trouvais qu'il y avait un réformisme et quelque chose d'assez euh, intéressant chez lui. Et puis progressivement, euh, j'ai évolué euh, dans le cadre de, de mes études, dans le cadre de, de, de mon métier, de mon activité intellectuelle. Et je me suis engagé pour la première fois avec Antoine Ruffnac en, en 2000 euh, pour l'élection de 2001. Pourquoi vous a-t-il passé le relais justement avant ces municipales de 2014 et il a, il a choisi en 2010 alors qu'il euh, qu dépassait euh, l'âge de 70 ans, il a décidé euh, que après 15 années passées à la tête de la ville du Havre, il fallait euh, poursuivre l'action engagée et que pour la poursuivre dans la durée, euh, il fallait oser le renouvellement et donc euh, après 15 années passées à la tête de la ville, il a dit, euh, voilà, il est temps de passer la main. Euh, j'ai formé Edouard pendant 10 ans, je lui passe la main pour euh, que justement l'action que nous avons engagée et que j'ai essayé euh, d'aider avec lui pendant 10 ans bah, puisse, puisse se poursuivre. C'est vraiment une, une logique de continuité et de renouvellement. Justement ces actions politiques que vous avez prolongées après Antoine Ruffnac, est-ce qu'on peut en parler et tirer un bilan de vos années à la tête de la mairie du Havre bah, D'abord, il faut avoir la modestie de, 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 de reconnaître. Qu'Antoine euh, a été maire de 1995 euh, à 2010, il a euh, incroyablement transformé sa ville. Tout le monde le reconnaît, tout le monde le sait. Même les gens qui ne l'aiment pas ou même les gens qui ne sont pas de sa famille politique s'accordent pour dire que la, la transformation qu'a connue Le Havre en 15 ans a été tout à fait exceptionnelle et, 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 et parfaitement réussie. Donc, moi, je m'inscris dans cette continuité-là. Euh, et je m'inscris à la fois dans la continuité des projets, dans la continuité de l'esprit aussi. Et puis, j'ai apporté une touche peut-être un peu plus personnelle parce que ça correspond à ma personnalité. Moi, je ne suis pas Antoine Ruffinac. J'ai 30 ans de moins que lui, euh, j ai, j ai, j ai, je viens d'un milieu très différent euh, du sien. Euh... Et donc j'ai apporté ma petite touche avec une politique culturelle peut-être un petit peu plus offensive, avec une politique de la lecture parfaitement assumée, avec l'arrêt d'un certain nombre de projets dont je considérais qu'ils auraient peut-être placé les finances de la ville dans des situations trop incertaines. Il y a une, une immense majorité de continuité dans, 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 notre, dans, dans mon action par rapport à celle qui a été engagée avant. Et puis évidemment, encore une fois, quelques petites touches personnelles qui vont continuer à se développer parce que parce que c'est ça aussi le renouvellement. Le renouvellement c'est Quelque chose de parfaitement identique. C'est une forme de continuité et une forme d'évolution. Pour revenir sur les transformations de la ville du Havre, c'est un constat objectif, cette ville a changé en quelques années. Vos opposants vous reprochent d'avoir fait euh, de cette ville une ville vitrine, une ville un mmh. peu froide qui perd euh, plus de 1000 habitants par an. Qu'est-ce que vous leur répondez ben D'abord, je constate qu'il est normal que mes opposants s'opposent. Donc, euh, il faut bien trouver quelque chose à dire, alors qu'ils le disent, et c'est parfaitement naturel, c'est la démocratie, euh, ça ne me pose aucun problème. Est-ce que, est que vraiment, quand vous parlez à des havrais, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le faire souvent, mais moi, je le fais très souvent, est-ce que vraiment ils ont le sentiment qu'en en, en 15 ou 18 années euh, d'action municipale, la ville s'est transformée en ville vitrine Est-ce que vraiment ils ont le sentiment que quand ils vivent au Havre, quand ils vivent au Havre depuis euh, ces 15 ou ces 18 années, 18 années et la qualité de vie aurait baissé au Havre Moi, je ne crois pas du tout. Je pense que, bien sûr, il y a eu une énorme politique de rénovation urbaine. On a rénové des quartiers entiers au Havre. On a rénové Coquerilloville, on a rénové le Mont-Gaillard, le Bois de Bléville, les quartiers sud. Ça a été des opérations énormes. Mais il n'y a pas eu que ça. Quand on rénove des quartiers, on détruit des logements, on en reconstruit, on crée des équipements publics, des bibliothèques, on crée des parcs. On a à rénover ces villes pour changer la vie de ceux qui y habitent. Alors c'est vrai, vous avez raison, et ils n'ont pas tort. Euh, il y a euh, moins d'habitants au Havre aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a 15 ans. Mais ça fait 35 ans maintenant 35 ans que le Havre perd des habitants environ un millier par an. Je ne conteste pas le phénomène. Je me permets simplement d'indiquer que moi j'ai 43 ans. Si ce phénomène a, a commencé il y a 35 ans, je ne suis pas sûr qu'on puisse me tenir responsable de la totalité du phénomène. Pourquoi est-ce que le HAF perd des habitants Pour des causes multiples, pour des causes fiscales, parce que le taux d'impôt euh, y est trop élevé. Moi je ne l'ai pas bougé. Antoine l'a bougé une fois entre 1995... Et, 2000, en, et 2010, une seule fois. Bon, euh, si les autres collectivités territoriales avaient suivi la même direction, ça se serait vu, croyez-moi. Et j'ai tendance à dire à mes opposants quand ils sont socialistes et majoritaires au Conseil général, balayez devant votre porte quand vous parlez d'augmentation d'impôts, parce que nous ne les avons pas bougés. Vous les bougerez pas si non. vous êtes élu. Non, non, c'était un engagement que j'ai pris et, et dont je sais que il n'est pas simple à tenir, mais que je tiendrai. Nous n'augmenterons pas le taux de l'impôt municipal au Havre lors des six prochaines années. Donc, il ne faut plus. Il ne faut plus augmenter les impôts à Et Moi, je m'engage fermement, clairement, vous voyez, je vous le dis euh, directement, c'est enregistré, on pourra ressortir les images dans six ans. Nous n'augmenterons pas le taux de l'impôt à Havre. Euh, J'aimerais qu'on évoque les grands dossiers structurants pour le territoire à vrai. Bon. Le développement de l'éolien offshore. Est-ce que la clé de l'emploi fait partie notamment de ce développement au Havre Oui. Alors, euh, il ne faut pas ramener euh, le, toute la question, toutes les questions liées au développement économique et à l'emploi, à l'éolien offshore. Même si c'est vrai, c'est d'une telle importance. Numérique, encore une fois, on parle de la création d'environ 2000 emplois. Donc 2000 emplois industriels qualifiés dans un territoire comme le Havre, c'est pas rien. Et je peux vous dire que je connais un, un paquet de maires sortants euh, ou de candidats qui aimerait pouvoir dire euh, dans le territoire dont je suis l'élu, il va y avoir ou il peut y avoir 2000 créations d'emplois industriels à, à, à moyen terme. Donc évidemment c'est très important. Et moi mon objectif, maintenant qu'on sait qu'Areva... Et ces sous-traitants vont venir installer cinq usines, quand même, hein. cinq usines sur le territoire avrais, C'est de faire en sorte que ça profite au maximum à la population avraise et à la population de l'agglomération avraise. À quelle échéance bah quelle échéance Ça c'est pas moi qui suis le maître du calendrier. On sait que les terrains vont bientôt être libérés. On sait qu'il va y avoir des travaux assez importants sur les terrains pour permettre ensuite de construire les usines. Qu'ensuite il faudra construire les usines et que quand on aura construit les usines, on pourra enfin recruter ceux qui vont venir travailler à l'intérieur. Donc vous voyez que ça va pas se faire demain matin. C'est plutôt un truc à, à je sais pas moi trois ans encore ou trois ans et demi. Hein. Ça me semble raisonnable d'imaginer qu'on ne verra pas les usines fonctionner avant 2017. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une perspective exceptionnelle et qu'il faut en profiter. Mais c'est pas la seule. Le développement du Havre, il ne peut pas reposer simplement sur le développement de cette filière industrielle. Il repose sur des fondamentaux, euh, l'activité portuaire, qui est évidemment euh, une donnée fondamentale au Havre. On a fait une très bonne année portuaire cette année. Hein, euh, en 2013, la progression du trafic conteneur, c'est plus de 8,5% quand les grands ports du Nord sont à peine à plus 1% et qu'il y a euh, le port d'Hambourg qui lui est à plus 4%. Donc ça veut dire qu'on est en train de reprendre des parts de marché qu'on n'aurait peut-être pas dû perdre à une époque, c'est vrai. Enfin en tout cas on est en train de les reprendre, il faut s'en féliciter. Est-ce que c'est l'un des effets positifs du développement de la vallée de la Seine selon vous déjà? Ben moi, je crois que c'est d'abord un effet positif de la réforme portuaire euh, qui a été engagée. Et puis, je pense qu'ensuite, c'est un effet positif de, du rapprochement euh, des ports et, et de la structure à repas. Donc, euh, oui, mais je suis plutôt content parce que tout ça, ça a été engagé à une époque où euh, ceux qui s'en réjouissent aujourd'hui étaient plutôt contre. Donc, vous voyez, comme quoi, euh, il, faut, euh, il faut plutôt euh, rester euh, confiant. Mais le développement portuaire est essentiel. Le développement de la zone industrielle au portuaire, avec la pétrochimie notamment. Je sais souvent quand on dit pétrochimie, on se dit, est-ce que c'est vraiment une industrie d'avenir Mais ce que je constate.. C'est quoi Via des investissements importants, des usines importantes en matière de pétrochimie, avec des procédés qui permettent de recycler au maximum les matières. Donc on a, on a ici un territoire qui continue à accueillir des investissements, qui est innovant du point de vue industriel, et c'est plutôt une excellente nouvelle. Et puis il faut aussi développer l'emploi de service, parce que là il y a une faiblesse une faiblesse historique. Ça a toujours été comme ça au Havre, en tout cas depuis, depuis la, destruction, la dernière destruction à Vres. Euh, on doit développer les emplois de service. Il y en a quelques-uns, liés à l'assurance, liés au maritime. Mais on doit aller plus loin. Et, et, et pour ça, on a une politique d'accueil, d'immeubles en blanc, de développement de l'immobilier d'entreprise. Mais ça, c'est quelque chose de difficile. Et évidemment difficile en période où la croissance est faible et où les investissements des entreprises sont limités. Justement, pour relancer cette croissance, vous êtes favorable à la création du pôle métropolitain de l'Estuaire. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, de manière très synthétique les tenants et les aboutissants de ce projet euh, Pourquoi vous y êtes favorable et pourquoi la préfecture a bloqué sa création Alors d'abord, il faut, il faut expliquer ce que c'est qu'un pôle métropolitain de l'Estuaire. Quand, quand on dit pôle métropolitain de l'Estuaire, on imagine un truc super lourd, euh, euh, vachement contraignant. Bon, c'est pas du tout ça. Un pôle métropolitain, c'est euh, une espèce d'alliance... En tout cas un rapprochement entre des communautés de communes et des communautés d'agglomération, qui décident de se mettre ensemble, non pas pour euh, se déposséder de leurs compétences, mais pour coordonner leur politique sur quelques sujets précis, quelques sujets précis qu'ils choisissent. En l'occurrence, on s'était dit, dans l'estuaire de la Seine, de Fécamp au nord jusqu'à Lisieux au sud et Deauville, dans une aire qui comprend euh, un peu plus de 500 000 personnes, qui a des des joyaux, des pépites touristiques comme Deauville, Lisieux, Honfleur, Le Havre et tretat fécamp on doit pouvoir se coordonner en matière de développement touristique, en matière d'écologie industrielle, en matière de développement éventuellement d'offres de transport. On doit pouvoir se rapprocher pour coordonner nos politiques. Partout en France, partout en France, l'État encourage les collectivités territoriales à se rapprocher. Parce qu'ils considèrent que c'est malin, que c'est plutôt l'intérêt général et qu'on va plutôt mieux servir les populations en travaillant ensemble qu'en travaillant chacun de notre côté. Partout en France, l'État encourage ça. Partout, sauf dans l'estuaire de la Seine. Pourquoi Parce qu'ici, on a un préfet, préfet de Haute-Normandie, qui a cru bon, d'une simple phrase, d'une phrase, d'une ligne, considérer que ce projet-là manquait, je cite ces termes, de cohérence territoriale. Voilà. Et que donc, il fallait surtout pas faire de pôle métropolitain de l'estuaire. Alors, ça manque de cohérence territoriale. Pourquoi Parce qu'il euh, y a 11 euh, établissements qui se sont euh, réunis, enfin qui ont dit qu'ils pouvaient travailler ensemble. 8 au nord de la Seine, 3 au sud de la Seine. Je, je, je précise en passant qu'il euh, y a des forces politiques extrêmement variées qui sont favorables au projet de pôle métropolitain de l'Estuaire. Des élus UMP comme moi, mais des élus communistes, des élus socialistes, des élus centristes. Tout le spectre politique des élus représentés dans l'Estuaire de la Seine euh, s'est exprimé en faveur euh, du pôle métropolitain de l'Estuaire. Mais il y a quelques communautés de communes, pas les plus grosses, j'ai même tendance à, à penser que c'est plutôt les plus petites, euh, qui ont dit Oh là là, est-ce que vraiment il faut faire un pôle métropolitain de l'Estuaire Nous, on a un peu peur, on n'a pas envie de vous rejoindre. Très bien on ne les force pas. On ne les dessaisit de rien. On ne leur impose rien. On dit juste « quand vous aurez envie, vous nous rejoindrez, mais nous, on va commencer ensemble ». Vous voyez, ce n'est pas très agressif. Bon. Et le préfet, à Rouen, d'une un, phrase un peu rapide, a expliqué qu'il ne fallait pas de pôle métropolitain de l'Estuaire. Pourquoi Écoutez, moi, il euh, y a des gens qui pensent, que, ils pensent vraiment qu'il n'y a pas de cohérence territoriale. Moi, je crois que ce n'est pas du tout ça la raison. Je crois que la raison elle est beaucoup plus basique, elle est beaucoup plus politicienne. Euh, ça gêne un certain nombre de gens, crée pour le métropolitain de l'estuaire. Ça gêne que l'estuaire euh, autour du Havre et de Fécamp et de Deauville s'organise pour avancer. Euh, ça gêne que éventuellement euh, le maire du Havre en soit le président. Euh, et on a donc voulu faire une petite manœuvre assez misérable, je vais vous dire, euh, politicienne. Euh, et on s'est servi des instruments de l'État pour faire ça. Et je vous ai dit tout à l'heure en commençant notre entretien que moi, j'avais commencé ma carrière comme haut fonctionnaire. Euh, et j'en suis fier, même si après, j'ai travaillé comme avocat et dans l'industrie. J'en suis fier parce que je crois à l'impartialité de l'État. Je crois à la continuité de l'État. Et ben, je peux vous dire que ces petites manœuvres misérables qui instrumentalisent l'État au profit de calculs de politiciens euh, peu dignes ne sont pas euh, vraiment à l'honneur des représentants de l'État. Revenons un petit peu pour conclure cette interview sur la campagne électorale. Un mot sur vos opposants, et notamment Camille Galap qui a déclaré que vous refusiez le débat avec lui. Est-ce que vous confirmez ses propos Écoutez, moi je confirme ou je n'affirme rien. Je ne réagis pas beaucoup aux propos de Camille Galap, qui sont, il a tout à fait le droit de dire ce qu'il veut. Ce que je sais, c'est que vous parlez de mes opposants principaux. Euh, au Havre, il ne faut pas se tromper, euh, l'opposition traditionnelle, euh, elle n'est pas avec le Parti socialiste. Camille Galap, enfin je ne sais plus si Camille Galap est membre du Parti socialiste ou pas, parce qu'il y est allé, il en est reparti, puis ensuite il y est revenu, une fois que Paris lui a confirmé ce que localement le Parti socialiste ne voulait pas. Donc c'est un peu compliqué et je ne suis pas sûr de suivre toutes les étapes. Mais ce que je sais, c'est qu'au euh, Havre, l'opposition traditionnelle euh, et l'opposition forte euh, que je dois combattre, c'est une opposition du Parti communiste euh, au Conseil municipal. Il y a un élu socialiste, Laurent Lougoux, qui s'est fait écarter par euh, Camille Galap dans les conditions que vous savez peut-être. Euh, tous, les autres, tous les autres sont des élus communistes, des élus communistes qui, euh, qui, 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 qui s'opposent. Il euh, y a neuf conseillers généraux avant la réforme euh, euh, qui a été engagée euh, récemment. Il y en a quatre qui sont communistes et quatre qui sont UMP, et il y en a un qui est socialiste. Donc, l'opposant traditionnel, et, 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 et je, peux vous, je, je, je suis assez certain que ça se passera encore comme ça cette année, c'est évidemment le Parti communiste. Ensuite, vous me dites qu'un un certain nombre de mes opposants disent que je ne veux pas débattre. Mais moi, je suis tout à fait prêt à débattre. Mais je ne suis pas prêt à débattre avec des candidats désignés par des partis politiques. Il y aura un premier tour il aura lieu le 23 mars. Après ce premier tour, le 23 mars, il y aura des débats organisés avec les gens qui peuvent se maintenir. Peut-être que Camille Galap se sera maintenu, peut-être qu'il aura fusionné sa liste, peut-être qu'il ne sera plus sur la liste, je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est qu'après le 23 mars, on sera passé dans la logique de préparation du deuxième tour. Et les électeurs se seront prononcés. Ce jour-là, je suis prêt à débattre le matin, le midi, le soir et à recommencer, quand vous voulez, avec les électeurs, euh, pardon, pas avec les électeurs, mais avec les candidats qui auront été sélectionnés par le suffrage universel. Et je n'aurai aucun problème pour ça, croyez-moi. Et je vais même vous dire quelque chose. J'attends ça avec une certaine impatience parce que j'aime bien ça. C'est noté. Merci beaucoup Édouard Philippe à très bientôt sur LCN. C'était un entretien accordé par Édouard Philippe le maire du Havre à Félix Bolais euh, sur LCN et bien sûr au titre de l'équilibre des paroles de la pluralité nous la la pluralité. recevrons Camille Galap le candidat PS mardi 18 février et poursuivre dans la quotidienne on parlera collage collage des choses très originales très intéressantes vous allez voir ça tout à l'heure il va y avoir de la magie avec draco avec maya nous allons plonger dans un monde de sophrologie pour l'instant c'est euh... il est 18h32 et pour l'instant c'est un peu de publicité et juste après l'actu du jour qui vous est présenté par Félix Bolèze. Mmh. vous présente la quotidienne.